Dis Lara, qu'est-ce qui s'est mal passé la dernière fois entre Takamoto et toi? Il voulait me refourguer des faux de la période Asuka. Les Yakuza manquent vraiment de bon sens. Tu l'as laissé partir? Ça nous permet d'avoir une petite conversation. La vie fait bien les choses. Lara, Ishimura m'a appelé. Il reste dans son bureau pour éviter la foule. Le barman vous mettra en contact. C'était prévisible. Bonsoir, j'ai rendez-vous avec Nishimura-san. Ah, Lady Croft. Il est dans son bureau, c'est au bout du couloir derrière vous. Je vais le prévenir de votre arrivée. Merci. Bienvenue, Lara. Ma petite réception vous plaît ? Totemo tanoshinde imasu, Nishimura-san. Mais je crains que Takamoto, en arrivant, ne trouble votre sérénité. Prenez garde. Il peut devenir très dangereux si jamais quelqu'un menace ses intérêts. Oh, mais je sais être très persuasive. Surtout face aux hommes dangereux. Oh, je vous crois. Je suis dangereux aussi, vous savez. Mais je vous en prie. Profitez donc un peu de la soirée et bonne chance. Soyez brève, Miss Croft. Je suis extrêmement occupé, alors dépêchez-vous. Bien sûr, Takamoto-san. Je recherche une relique. Un fragment d'épée conservé par l'université Waseda jusqu'à ce que vous la voliez. Je ne vole pas. Et vous devriez vous garder de telles accusations. Je suggère donc que nous passions aux négociations. J'ignore totalement de quoi vous voulez parler. Bien sûr que non. Dites-moi un prix. Miss Croft, vous êtes sourde? Vous croyez? Vérifions. Suppliez-moi de vous épargner cette fois encore. Kurose! Imasugu yare! Une soirée les mains vides. Takamoto a sûrement regagné son appartement. Ne le suivez pas, Lara. Ses gardes seront aux aguets. L'eau est un piège mortel. Je sais que t'es une pro, mais là, je crois vraiment que c'est mort, Lara. Alors, dans ce cas, je passe par le haut. Comment puis-je atteindre le toit? Le toit? Il y a un ascenseur. Fais attention, Lara. Il y a des travaux là-haut. T'es vraiment sûr de toi, Lara? Oui, je crois qu'il faut envisager le problème depuis un autre point de vue. En l'occurrence, le toit. Nishimura m'a donné le pass pour l'ascenseur et je vais y aller. Il est sûrement au dernier étage. Il va falloir que je fasse preuve de créativité. Il ne doit pas y avoir beaucoup de passages par ici. Ce n'est pas très pratique, mais ça pourrait servir. Si on ne casse rien, ce n'est pas une vraie fête.
sur cette bécane, en tout cas. Je les verrai quand je les verrai. Je n'ai pas le vertige, Alistair. Moi, ça me donne envie de vomir.
Je l'ai déjà dit, on vous suit. Je fais ce que je peux pour vous aider, mais j'aimerais bien pouvoir me concentrer si ça ne vous dérange pas. Dépêche-toi, Lara, ça va pas tenir. Vite, Lara, ça peut céder à tout instant. Vite! Un piège? Ouais, sois prudente. Qu'est-ce que c'est? Oui, dans ce contexte, c'est plus du domaine de l'art moderne que de l'archéologie. Elle est splendide, mais tu ne crois pas qu'elle est un peu grosse pour la ramener chez toi? Franchement, elle est grosse. Eh, laisse-la faire, mon vieux. L'art doit avoir une forme et une fonction. Ça y est, t'es gravement touché? J'ai connu mieux. On va éviter de recommencer. Vous n'auriez pas dû venir. Ici, c'est mon domaine, pas l'un de vos tombeaux moisis. Parlez-moi de l'épée, Takamoto. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous fascine tant, Miss Croft? Laissez-moi la voir et vous saurez. Votre entêtement vous coûtera la vie. Vous avez manqué de respect. Vous avez fait irruption chez moi. Vous avez tué mes hommes. Simple compression de personnel. Maintenant, si vous permettez, je vais vous débarrasser d'un objet. Vous parlez de celui-ci? Miss Croft, c'est le joyau de ma collection. Et pourquoi ça l'est? J'ai un faible pour les objets trouvés sur les cadavres anglais. Dans ce cas, c'était l'un de vos croisés. Certains prétendent même qu'il s'agirait d'un chevalier du roi Arthur. J'ignore comment cet imbécile l'avait eu, car il est manifestement antérieur au XIe siècle, quand vous viviez dans des huttes de terre. Et c'est pour ça que vous seriez prêt à sacrifier votre vie pour lui? Non, mais pour ça! Vous ne comprenez pas, Miss Croft. Cet objet est à moi. Vous ne comprenez pas, Miss Croft. Cet objet est à moi. Cet objet est à moi. Vous avez été stupide de venir ici. J'allais comprendre à quel point vous êtes stupide. Vos mouvements trahissent. Vous avez la langue moins bien pendue, hein? Votre curiosité est satisfaite? Alors il est temps pour vous de mourir. Vous n'aurez pas autant de chance. Vous n'aurez pas autant de chance. Et toi, Kiri, vous brûlerez en enfer. Oui, c'est bien le même. Tu as vu ce qu'il peut faire?
Oui, Alistair, j'ai vu. L'hélico de Nishimura est à toi dehors, maintenant. Excellent. Dis-lui qu'il vient de marquer quelque chose. Merci, Nishimura-san. Je suis vraiment ravie de vous voir. Oh, mais moi aussi, ma chère. Et Takamoto, où est-il? Tout dépend si sa vie fut bonne ou mauvaise. J'ai du nouveau sur James Rutland. En fait, ça te dit rien? Absolument. L'Afrique est un de mes continents préférés.